Alors, donc, le troisième atelier, c'était autour d'un élément qui se trouve dans GarageBand, dans l'application GarageBand, qui s'appelle Live Loops. Et en fait, ces Live Loops, ce sont des boucles qui peuvent être déclenchées quand on en a envie, soit par colonne, soit par ligne, soit individuellement. Et donc, on peut faire un montage, un arrangement à soi. Et donc, il y a une fonction enregistrement. Alors, je vais monter rapidement sur, par exemple, le Silly Pop. Et donc, en fait, les enfants peuvent tester les sons. Enfin, ils ont testé les sons les uns après les autres. Ils sont mélangés, etc. Plusieurs sons, parce que c'est ça l'intérêt, la polyphonie et la superposition. Et après, ils ont donc enregistré leur propre mix, en gros. Donc, ça oblige un peu à travailler la différence des plans sonores pour qu'ils aillent bien ensemble. Et ensuite, faire une forme, quelque part. Voilà, donc, si je donne un petit exemple. Par exemple, ici, on a, des synthétiseurs. Et ça se déclenche sous le 4 mesures à 4 temps en général, c'est ça la boucle. Voilà, c'est pour donner un exemple de. Bon, c'est style un peu hip-hop, mais il y a plein d'autres styles. Ça peut être rock, chill, etc. Voilà.